Bonjour, monsieur, oui. Ça va? Vous ne pouvez pas frapper avant de rentrer. Non, monsieur, je suis venue parce que j'ai entendu que vous êtes en train de louer une chambre dans votre maison. Je suis en train de louer. Oui, de louer. Une chambre dans la maison. Exactement. Et vous êtes venu pour louer la chambre dans la maison. Oui, monsieur, dans votre maison même. Ah! C'est la première fois les gens comme ça viennent ici. Et vous avez l'argent. Bien sûr. Ok. Est-ce que vous connaissez au moins les conditions de la location? Je vous écoute, monsieur. Vous êtes célibataire ou bien vous êtes en couple? Bien célibataire. Célibataire? Mm-hmm. Et tu veux louer et dans la maison où il y a 50 hommes? Oui. J'adore être entouré par les hommes. Tu adores être entouré par les hommes? Exactement. C'est quoi? Tu as été élevé par ton oncle? Mm. Non, mais c'est pas grave. Je vais vous dire les conditions. En fait, pour louer, c'est très simple. Mm. Comme c'est écrit sur le portail, entrer dans la maison à 6h, sortir 19h. Si vous sortez après 19h, le portail est fermé. Mais monsieur, vous vous prenez pour qui? Pour Macron? Ah. Macron t'a dit là, il a eu la maison dans ce quartier. Macron sait comment? Il connaît plus de ciment. Macron connaît plus de ciment. C'est pas vos maisons que vous louez à Paris là-bas là. Ici il y a des conditions. Il y a quoi comme il y a conditions. Ouais, vas-y. D'abord même, est-ce que vous allez à l'église? Oui, monsieur, chaque vendredi. Quand l'église on va chaque vendredi? Ça c'est pas ça c'est pas l'église de Ponce Pilate ça? Monsieur, jugez pas les gens. Est-ce que j'ai dit je l'église que tout le monde s'en va tous les dimanches? Toi tu vas dire que tu vas à l'église les vendredis. C'est quoi? Les jours saints chez nous, c'est les vendredis. Aïe. Votre pasteur, c'est un imprimeur. Comme d'habitude, la chambre, le deuxième étage, mais les toilettes sont au huitième étage. Mais ne vous inquiétez pas, il y a échelle. Tous les locataires de cette maison connaissent cette condition-là. Donc, c'est pas grave. Maintenant... Messieurs, attendez. Donc, je serai la seule femme entourée par 50 hommes. Oui. Et vous me dites que vous allez une chambre disponible au deuxième étage. Donc, du coup, si je veux aller me doucher, il faut que je monte. Oui, mais il y a. À pied, en fait, oui, non, il y a échelle. Et si tu ne sais pas grimper échelle là, il y a côte, grimper. Hi. Tu as fait grimper à l'école, on grimper comme ça. Non, mais ça coûte combien ces chambres là? C'est même pas cher. 1500 euros. À payer 4 mois en avance. Monsieur, mais vous vous prenez pour qui encore une fois? Tu ne connais pas la maison là. Toi, tu vas dire que tu ne connais pas la maison dans ce quartier. Mais c'est pas les châteaux de Versailles, monsieur. Je regarde. Le démarcheur n'était pas dit. Tu vois la maison là? La première apparition de Saint-Joseph dans ce quartier, dans cette maison. La toute première apparition. Quand tu entends la radio que Marie est venue et quelque part. En fait, cette maison là que tu vois, même quand tu dis que Jésus veut revenir un jour d'être sur le qui-vive, on ne sait pas. C'est ici. C'est la maison là. Tu vois, en rentrant dans la maison là, madame, tu as vu Véranda qui est là. Tu as vu deux chaises, non? Mais ça, c'est chaise de Jésus comme ça qui est là. Même à mon travail, c'est une maison sainte, ouais. Monsieur, même à mon travail, le véranda, il est plus grand. Excusez-moi, mais... Mais est-ce que Jésus va venir dans ton véranda, dans ton travail là-bas? On te dit, c'est ici Jésus j'ai va venir. Une véranda que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais elle est... Et déjà, ah oui, c'est quoi votre niveau d'études? Bac plus 8. Madame, toi, tu ne peux pas rester ici. Comment tu vas louer quelque part où tu es plus intelligent que le propriétaire? Tu as plus de diplômes que le propriétaire. C'est comme ça que vous faites. Tais-toi, madame. C'est comme ça que vous faites pour arracher les maisons sur les propriétaires. Hein? C'est pour ça que tu vas venir un jour me faire signer des documents et prendre ma maison. Je connais cette technique-là. Soit tu vas renoncer à tous tes diplômes ou tu iras louer dans ton école là-bas, là où tu as tes diplômes. Déjà même, j'ai même pas encore dit la condition et qui est plus importante. Est-ce que vous savez danser? Parce que vous savez danser. Ne dois pas rester dans cette maison, quelqu'un ne sait pas danser. Messieurs, oui? De un, moi je travaille. Mais je danse aussi. Ah bon? Oui. Il faut faire, je vais vous... Va. Non, il faut, c'est quand elle passe à tous les couples, ils font l'autre pas. Hein? C'est bon. Non, toi, la jambe est déjà à toi. Bah, je sens que si je te prends, un jour, on va ouvrir boîte de nuit dans cette maison. Mais c'est quel métier vous faites? Depuis que je travaille, c'est quel métier vous faites? Monsieur, je suis responsable. Responsable? Où? Responsable de quoi? À la morgue. À la morgue? Oui, monsieur. Je prends soin des morts, des cadavres. Vous travaillez à la morgue? Oui, monsieur.
Qui sortait de la maison. Monsieur. Vous sortez de la maison. Aïe. Tu travailles là, parce que c'est chez moi, tu vas trouver Jean. On t'a dit ici c'est Golgotha. On t'a dit ici c'est cimetière. Qu'elle travaille à la morgue. Je ne vais plus jamais vous voir. Hein. Tu es des locations.